Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu. Versez-moi un canon, Claude. Comment ? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Répliculte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Miliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 24 janvier 2024. Mercredi 24 janvier, de 14h à 17h30, en partenariat avec l'association Eleven Esport, venez vivre les jeux vidéo sur grand écran. Et c'est Mario Kart Deluxe qui sera mis à l'honneur. Tarif normal 10€ et tarif adhérent Eleven Esport 5€. Un silence de Joachim Lafosse avec Daniel Auteuil, Emmanuel DeVos et Jeanne Chéral. Film avec avertissement à voir absolument. Comme à son habitude, Joachim Lafosse nous amène dans les méandres familiaux pour décrypter les ravages du secret. Silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Bande annonce. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où ? Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps ? Depuis la perquisition. Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois ? Madame Scar. Votre fils, il va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. C'est toi qui as été sur mon ordinateur ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut sur mon ordinateur ? Il faut que tu me soutiennes. Raphaël, tu es mon fils. Tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari ? C'était le seul qui savait pas. Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui ? Je sais très bien ce qui se passe, justement, c'est pas le moment de lâcher. Maman, tu lui as parlé ? C'est quand que tu vas réagir, là ? Nous vous proposons aussi cette semaine une affaire d'honneur de Vincent Pérez avec Roche Dizem, Doria Tillier et Guillaume Gallienne. Paris, 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d'armes, se trouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre Marie-Rose Astier, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l'art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s'allier pour défendre leur honneur respectif. Bonne annonce ! Allez ! J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie. J'aurais dû arrêter le duel. En tant que maître d'armes, t'es pas en droit de demander réparation. Il s'agit plus d'honneur, mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée ? J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme, voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre ? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour. Sachez que lors d'un duel, tous les coups seront permis. Vous vous rendez compte dans quelle merde je me retrouve ? Berchard est un ami, un homme de pouvoir, un héros de guerre. Ce que je défends va bien au-delà d'un combat à l'épée. Je sais. Allez ! Ce qui est du colonel Berchère, il ne s'agit malheureusement plus d'honneur, mais de pulsions meurtrières.
Mia de Sofia Coppola avec Kaylee Spini, Jacob Elordi et Dagmara Dominczyk. Film présenté en version française et en version originale sous-titrée. Prix d'interprétation féminine pour Kaylee Spini à Venise en 2023. Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui a 24 ans et déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Bande annonce. Bonjour, je m'appelle Terry West, et vous? Priscilla Beaulieu. Vous aimez Elvis Presley? Bien sûr, comme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci? Bobby Darin et Fabian. Et vous? Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. 21? Désolé, mon cœur, c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Des cheveux noirs et plus de mascara. Je sais pas trop si j'aime. Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes? Il n'est pas comme tu l'imagines. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que t'as quelque chose à cacher? Absolument rien à cacher, merde! Il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas? Je te quitte pour avoir une vie à moi. Making of de Cédric Kahn avec Denis Podalydès, Jonathan Cohen et Stéphane Crépon. Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. De ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making-of. Bonne annonce! Toi, tu m'annonces ça comme ça, tu veux me quitter? Mais quoi, ça ne se plus quand il n'y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Mais quoi? Oh putain, t'as vu l'heure? Quoi? Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser? Non, on va pas baiser, je veux bosser. Oh non, tu fais chier. Fais-moi bosser mon sexe en supplie. Moteur! Attendez. Moteur! Pardon! Ah ben ça, notre producteur. La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet. Je change pas une ligne du scénario. Ça représente combien votre apport? 1 million d'euros. Tu dois rejoindre les producteurs au resto. Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gaspillage avec deux têtes de cul. Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier? Bah carrément, à fond. Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule. T'es obligé de crier tout le temps? Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison 1000 fois. Le principal financier du film nous a lâchés. Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé. Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe? Bah, tu dis rien, tu sais, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes. Ton film, comment ça va? Bah, les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te parle pas. Qu'est-ce que tu... Arrêtez, oh! Les acteurs font n'importe quoi. T'es peut-être une grande vedette! Bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute! Que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive. Eh hey, mais il pleut les gars, il pleut. Putain mais vous vous faites tout chier. Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul. T'as trouvé un repreneur? Non, pas encore, pourquoi? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar. Du Qatar? Mais c'est quoi cette histoire encore? C'est vrai cette fois-ci. Attends, comment ça? C'était pas vrai l'autre? Anna, réalisée en 1967 par Pierre Koralnik avec Anna Karina, Jean-Claude Brialy et Serge Gainsbourg. Film présenté dans le cadre du ciné-mémoire de l'association CINA, Cinéma Indépendant Nouvelle-Aquitaine. Anna débarque à Paris. Dès sa descente du train, Serge, directeur d'une agence publicitaire, tombe fou amoureux.
Pour la retrouver, il fait placarder l'unique photo d'elle qu'il possède dans toutes les rues de la capitale, sans réaliser qu'il la rencontre pourtant tous les jours. Fort de son succès, reprise du film « Chasse gardée d'Antonin Fourlon » et Frédéric Forestier avec Didier Bourdon, Hakim Gemili et Camille Lou. Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adélaïde, à l'étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c'est l'occasion idéale pour faire le grand saut et quitter l'enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin comme terrain de chasse. Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups bas sont permis. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemeliez-mel.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Monte. Chez le Nord. Oh non, nom de Dieu. Versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.